c'était quoi ce truc? Ah, c'est sûr que c'est un monstre. Bonjour à tous, les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à Resident Evil 7. Et oui, tout le monde est en train de vous faire un Resident Evil 8 sur leur chaîne YouTube. Et moi, je vous fais le Resident Evil 7. Alors, c'est la version complète avec tous les DLC. Et donc, je vais vous en parler dans cette vidéo critique. Alors, aujourd'hui, j'ai essayé de vous montrer le maximum d'images, le maximum de choses en fait. Les boss qu'on va croiser dans le jeu, la mécanique de jeu, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Il faut savoir que Resident Evil 7 est le premier jeu. Alors, il est sorti, je crois, en 2017, si je ne me trompe pas. Alors, je me trompe presque toujours dans les dates, donc corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc, c'est le premier first person, on va dire. Shooter, bon, c'est pas un shooter, hein, c'est un FPS. Donc, la vue première personne, le premier Resident Evil a adopté ce genre de perspective, de vue. Et donc, bah, évidemment, le jeu a eu pas mal de succès, notamment il est sorti en version VR aussi. J'ai vu pas mal de youtubeurs en faire une vidéo. Donc, moi, honnêtement, j'ai jamais fait en VR. Mais je pense que c'est une expérience à tenter, mais bon. Moi, j'ai pas compris en fait la tendance des jeux VR. Pour tout vous dire, en général, en fait, les lunettes VR, j'ai vraiment pas compris. Parce qu'on nous rabâchait les oreilles quand on était petit. On nous disait que oui, faut pas s'approcher de la télé pour ne pas avoir mal aux yeux. Donc, il fallait pas s'approcher de la télé trop près pour ne pas abîmer nos yeux, on va dire. Et aujourd'hui, ils commercialisent un produit qui vous met directement la télé dans les yeux, quoi. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Et je trouve ça vraiment. Moi, je le déconseille. Je le déconseille fortement à vous et à vos enfants d'utiliser les lunettes VR parce que c'est mauvais pour vos yeux. Voilà. Petite parenthèse que j'ai ouverte. Je ne sais pas pourquoi même j'en ai parlé. Enfin, bref. Donc, oui, le jeu est sorti en VR. Donc, je l'ai jamais essayé. Mais il y en a qui ont essayé, et franchement, je pense que c'est pour l'immersion, c'est quelque chose, hein, je pense. Hein, parce qu'il y a énormément de passages qui font flipper dans ce Resident Evil 7. Contrairement à Resident Evil 8, alors dans Resident Evil 8, en fait, moi je ne l'ai pas encore fait, hein, mais je me suis spoilé malheureusement. Je ne pouvais pas tenir. Donc, il y a un passage dans Resident Evil 8 qui est assez flippant, on va dire. C'est la villa des Beneviento, une maison avec plein de poupées et tout. C'est vraiment le seul passage flippant dans Resident Evil 8. Et pour le reste, franchement, c'est plus de l'action, de l'exploration, voilà. Franchement, moi, je préfère l'ambiance de Resident Evil 7, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Mais voilà, donc, ici, par exemple, dans Resident Evil 7, c'est, on va dire, allez, 80% du jeu, on est plongé dans des endroits assez glauques, assez sombres, assez flippants aussi. Mais voilà. Donc la première fois que vous jouez à Resident Evil 7, ça vous fait flipper un petit peu, ça c'est sûr. Surtout, il y a des passages où il y a du jump scare, ça c'est aussi sûr, parce que c'est un jeu d'horreur. Donc jump scare oblige. Donc on retrouve quelques passages où on sursaute en fait. Et puis voilà, donc côté histoire, par contre, c'est assez étrange. Hein. D'ailleurs, Capcom, c'est vraiment pas leur fort, les scénarios. C'est un scénario assez. Comment je puis dire? Sympathique. Voilà. C'est un scénario sympathique, mais qui n'est pas franchement non plus de la folie. C'est en fait On découvre en fait au fur et à mesure du jeu. L'histoire, on la comprend en fait au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu. On comprend pas tout à première vue. Alors, il y a des trucs assez hallucinants quand même, hein. Comme le fait de perdre son bras et de le recoller avec des agrafes. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu abusé. Mais bon, apparemment, on comprend tout à la fin de Resident Evil 8. Je ne vais pas vous spoiler. Donc, si vous voulez découvrir ça par vous-même, eh ben faites le Resident Evil 8 et finissez-le pour comprendre en fait certains détails qui m'ont semblé un petit peu
ridicules, qui ont semblé ridicules à tout le monde presque, hein. Parce que vous savez que Resident Evil, c'est assez nanardesque au niveau scénaristique. Il y a des trucs dont Resident Evil 7 et 8, franchement, c'est assez abusé. Mais quand on comprend à la fin que c'est relatif par rapport au scénario, en fait, on se dit, ouais, bon, ils se sont quand même rattrapés à la fin. Voilà. Donc, on va parler donc du scénario. On est donc Ethan, donc on est parti à la recherche de notre copine Mia, qui est détenue dans la maison des Bakers, une famille assez déjantée. Donc notre but est de la sauver. Alors Mia, elle travaille dans un paquebot. On voit pas ça à première vue quand on regarde la vidéo, la cinématique du début du jeu. Mais on comprend ça évidemment un petit peu plus tard aussi dans l'aventure. Donc c'est ça en fait les scénarios dans Resident Evil, c'est qu'on comprend tout, mais à la fin. Voilà. Au début, on est un petit peu le dindon de la farce, on nous jette dans le bain. On comprend pas tout, et on comprend tout, évidemment, avant de finir le jeu. Voilà. Donc il y aura du spoil hein, dans cette vidéo critique. Si vous ne voulez pas vous spoiler, éteignez tout de suite cette vidéo. Voilà, donc on part évidemment à la recherche de notre femme, puisqu'elle dit mon mari adoré, donc elle parle d'Ethan. Et donc on part à la recherche de notre femme. La voilà d'ailleurs, Mia, dans une cellule, qu'on la retrouve dans une cellule. Et dès qu'on la retrouve, en fait, c'est là que commencent les ennuis, en fait, hein. Et c'est là que commence le n'importe quoi. Et d'ailleurs, je vais vous laisser cette séquence pour vous voir un petit peu l'absurde poussé au maximum par Capcom. C'est moi, c'est Ethan. Voilà, donc là on retrouve notre femme, Mia. Est-ce que ça va? Tu ne devrais pas être Alors je vous là. rassure, hein, je ne vais pas vous montrer que le début du C'est toi jeu, qui m'as hein. appelé. Je vais Non, vraiment je vais le essayer de vous faire. montrer énormément de choses dans cette vidéo critique. Quelqu'un t'a vu? Est-ce qu'il t'a vu? Qui d'autre est ici? Alors. Qu'est-ce qui se passe? Papa va venir. Il faut qu'on parte. On commence Il faut partir maintenant. à écouter en fait Mia qui dit vraiment n'importe quoi. Elle dit papa va venir, allons-nous, cassons-nous en fait. Elle dit des choses assez absurdes Parle de sœur. et cela on Comment le dire ce qui se comprend un passe? petit peu au fur et à mesure du jeu. Donc le Je gameplay suis triste il est que plutôt ton bon, oiseau franchement le soit gameplay, mort. moi j'ai bien aimé. Alors Je suis évidemment il y triste. a une petite lenteur au niveau des armes à feu. De la manipulation des armes à feu. Mais franchement, on s'y fait rapidement. Vraiment. Hein. Les armes aussi, il y a quelques-unes à débloquer, évidemment. Le fusil à pompe étant le plus facile à C'est débloquer. quoi ces Hein, trucs? donc, il Qu'est-ce qu'ils faudra t'ont fait? le débloquer d'une statue, en Comment fait. leur sortir de ça? Il y a aussi on trouvera aussi des armes cassées. Un pistolet plutôt puissant et une carabine puissante aussi. Qu'on pourra débloquer aussi. Et pour cela, il faudra trouver un kit de réparation un petit peu à la fin du jeu. Donc, enfin, non, pas à la fin du jeu, mais on va dire au milieu de notre progression. Et comme ça, on aura le choix de réparer entre le pistolet et la carabine. Ce message que tu Il y a m'as envoyé. aussi C'était pas moi. Tu m'as vu. un C'était pas pistolet moi. mitrailleur Ok, aussi, d'accord. mais on ne le Moi, trouve j'ai pas dans besoin de notre progression. Il y a un lance-grenade t'aider. aussi. Dis tout ce que Qu'on je sais. pourra débloquer. Alors, il faudra savoir un truc en fait dans Resident Evil, c'est qu'il faut vraiment bien, 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 bien fouiller la map. Et d'ailleurs, la map, elle vous indique quand même les objets que vous n'avez pas encore pris, les coffres que vous n'avez pas Merde. encore Tu es sûr de savoir où tu vas? ouverts. Enfin, Merde. c'est pas des coffres, hein, mais Si, je m'en souviens. on va dire des tiroirs de bureau que vous n'avez pas encore déverrouillés et tout et tout. Et pour cela, il faudra des outils pour les déverrouiller. Il faudra les trouver, ces outils-là. Voilà. Et il y a aussi des pilules qu'on peut prendre et qui nous permettent en fait de rendre visibles les objets qu'on peut trouver pendant C'est quelques là. secondes. Et c'est vraiment franchement très très utile parce que parfois ils cachent vraiment les objets, mais d'une manière assez fourbe, je dois dire. Parfois on pourra trouver des objets planqués derrière une planche, Je vais t'aider, je suis plongés dans le là, je noir. suis sûre. Voilà. Et on pourra ramasser certains objets que quand on se Elle est plus baisse. là. Par exemple, Elle est hein, plus je là. vous donne des Non. exemples. Donc regardez, Mia va devenir un petit peu folle.
Elle va devenir un petit peu possédée. Alors certainement on trouvera quelques indices, hein, évidemment, par-ci par-là. Faudra bien 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 les noter. Pour évidemment. Regardez, Mia a disparu. Que se passe-t-il? J'ai juste détourné le regard quelques secondes et là, on va l'entendre crier d'ailleurs. Donc ça, c'est des poupées. Voilà, on peut voir les objets comme on veut, évidemment. Et voilà. Donc là, ça commence, hein, la possession de Evelyn sur notre chère Mia. Alors, évidemment, on ne comprend pas ça au début du jeu, hein, mais voilà. Donc, vous saurez que Evelyn, eh ben, c'est le centre du jeu. C'est le personnage à ne pas négliger, on va dire. Alors, elle est présentée en tant que petite fille, elle est présentée en tant que vieille dame, elle est présentée en tant que tout, en fait. Et il va s'avérer que c'est elle, en fait, le centre du jeu, le méchant du jeu. Donc voilà. On aura des petits coups de téléphone, évidemment, durant le jeu. Comment elle s'appelle déjà? Je crois que c'est Zoé, voilà, Zoé qui va nous appeler. Alors, Zoé, elle fait partie de la famille Baker. Mais en fait, elle est la moins infectée, on va dire, par la moisissure. Alors, la moisissure, c'est le virus de ce Resident Evil 7 et qui va infecter tout le monde, évidemment. Alors, regardez. Il y a des indicateurs visuels hein, qui vous disent qu'il y a ici, par exemple, un objet. Alors ça, c'est les medikits, en fait. On peut se soigner avec ces flacons. Et je ne sais pas si vous entendez les bruits, en fait. Et là, on entend, en fait, une porte qui claque. Alors, c'est pas celle-là. Mais quand on revient, en fait... Alors, attention, il y a un jumpscare. Pas maintenant, évidemment, quand je vais avancer un tout petit peu. Vous entendez? Je veux juste que vous focalisiez votre oreille pour entendre en fait ça. Voilà. Bon, c'est un jumpscare, ok, c'est un petit peu minable. Parce que ouais, je déteste en fait les jumpscares. C'est vraiment une manière de faire peur par la force. Voilà. Pour vous forcer à avoir peur en fait. Voilà. Et ce passage, en fait, il est devenu culte hein, dans Resident Evil 7. Il y a même eu des vidéos sur Internet de gens en fait qui jouaient à Resident Evil 7 et qu'on les a filmés en fait à ce moment-là. Et il y en a certains qui ont crié, d'autres ont pleuré tellement ils ont eu peur. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment assez effrayant quand vous vous mettez, on va dire, un casque. Et que vous vous immergez en fait, quand vous éteignez les lumières et tout. C'est sûr que là, ça fait un petit peu flipper quand même, Resident Evil 7. Hein. Voilà, avec le son à fond sur vos casques et tout. Donc voilà, regardez, donc c'est Mia, mais qui est possédée par le pouvoir d'Evelyn, le pouvoir de la moisissure, elle est en train de la posséder. Et donc elle contrôle par la même occasion ses mouvements. Et là, donc, Evelyn s'attaque à Ethan. Donc voilà, elle fait n'importe quoi, c'est vraiment une folle, hein, une hystérique. Même Ethan ne comprend plus rien. Donc j'ai voulu vraiment laisser ce passage pour vous montrer quand même les débuts du jeu et en plus vous montrer en fait le personnage de Mia. Qui est pour moi à ne pas négliger, franchement, pour comprendre l'histoire. C'est vraiment pas un personnage quelconque. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu finit quand vous finissez. Enfin, non, pas quand vous finissez le jeu, mais avant la fin, en fait, vous pourrez choisir en fait de sauver entre Mia et Zoé. Et regardez, elle est en train de ressusciter. Et là, ça va devenir n'importe quoi. Regardez, je vais prendre une hache ici. Et on va commencer à attaquer Mia. Quand je vous disais que l'absurdité
sera vraiment présente dans ce Resident Evil 7. Normalement, un coup de hache comme ça, franchement, la tête, elle décolle, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. Mais bon, c'est un jeu, c'est un jeu. Voilà. Et là, c'est scripté, en fait. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Non, 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 c'est pas fini. Le cauchemar continue. Puisque on croit qu'elle est morte, en fait. Et on voit quand même une flaque de sang qui coule de Mia. On se dit, on a terminé avec cette folle. Mais non, pas du tout en fait. Et là, regardez, on entend en fait le téléphone qui sonne. Et là, on doit décrocher. Qu'est-ce qui se passe ici? Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Donc Zoé, c'est le personnage qui va nous guider Maintenant. pendant un certain temps dans le jeu pour nous dire où par où aller, par où où devrons-nous aller. Et regardez, Mia a disparu. Donc je reprends la hache et on va voir donc le grenier, comme elle a dit Zoé. Donc elle va nous appeler de temps en temps, on la verra que vers la fin, hein, Zoé, on va pas la voir durant le jeu. Et donc elle fait partie de la famille Baker. Alors il y a le père Baker, il y a aussi Margaret, la femme, Lucas, le fils un petit peu déjanté, et aussi Zoé qui n'est pas encore infectée, on va dire, qui va s'avérer aussi être même beaucoup plus importante que Mia. Parce qu'elle va essayer de nous, nous donner en fait l'astuce pour évidemment guérir en fait de ce virus qui est la moisissure. Vous avez vu quand même, on a aperçu Mia encore en train de marcher. Et là, elle a disparu. Et regardez cette séquence. Alors, j'ai vraiment absolument tenu à vous montrer cette séquence. Tellement elle m'a choqué quoi à l'époque quand j'ai joué à ce jeu. J'ai trouvé ça vraiment abusé, mais abusé, un truc de fou quoi. Voilà, donc ça commence là en fait. Alors c'est pas ça, hein. On va le voir dans quelques secondes. Le suspense est à son comble. Donc elle enfonce un petit tournevis dans notre main. Et donc elle arrive, elle rapplique avec une tronçonneuse. Comme si cela ne suffisait pas. Elle coupe la main de Ethan. Alors c'est sûr que notre chérie, elle a beaucoup changé. Hein. Comme quoi, il aurait vraiment dû entendre sa copine quand elle lui disait de ne pas venir, absolument pas venir. Et regardez, on va récupérer l'autre main. On va la récupérer. Alors je sais pas si si on ne la récupère pas, est-ce que on pourra nous faire agrafer en fait notre main. Ça, franchement, je l'ai pas essayé. Mais à voir, à voir, franchement. Allez, on va changer de phase et je vous reprends tout de suite après. Allez, dernier combat contre Mia. Alors, je voulais vous montrer en fait un petit truc, en fait, la petite transition. Et la manière dont Zoé va réparer notre main. Et regardez qui va surgir prochainement. Il est où? Bah normalement, là, il devrait surgir. Ah, le voilà. Le père Baker. Et rappelez-vous de ce qu'il vient de dire. Bienvenue dans la famille Fiston. C'est vraiment très 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 important. Y a des petits détails à ne pas négliger, à ne pas oublier dans Resident Evil 7 pour comprendre certaines choses dans Resident Evil 8. Alors je ne suis pas en train de vous dire que le scénario de Resident Evil 7
ou du moins de Resident Evil 7 et 8 sont complexes, hein, non, pas du tout, hein, franchement, loin de là. C'est vraiment une histoire nanardesque, comme pas possible. C'est vraiment un scénario vraiment pas génial, quoi. Hein. Non, pas génial du tout. Mais il y a quelques petits trucs qui sont assez sympas, on va dire. Il y a certains passages dans l'écriture de l'histoire qui sont plutôt sympas. Voilà. Zoé, on la voit pas, hein, vous avez vu. On voit à peine ses pieds. Mais c'est elle, en fait, qui vient de réparer notre main. Voilà. Elle vient d'agrafer notre main. C'est absolument con. Et voilà. Et je tenais, en fait, à vous montrer la famille au complet. Elle est géniale, non? Autour d'une table, autour d'un bon dîner sympa, comme ça. Oui, Mia. Moi, je pense que c'est vraiment très convivial, tout ça. Alors, on voit le père Baker, Lucas et Margaret. Et évidemment, c'est vraiment assez spécial comme ambiance, hein. Donc il vient de couper le bras de Lucas. Mais en fait, ça va repousser, hein, évidemment. C'est grâce à la moisissure, en fait, hein. Alors les dialogues aussi, hein, sont franchement pas extra, hein. Bon, la VF n'est vraiment pas mauvaise non plus, hein. Vraiment. Et là, il va essayer de nous faire manger par la force. C'est assez glauque, hein, vraiment, c'est assez glauque, c'est assez choquant. Hein. La première fois qu'on voit ça, quelle famille de dégénérés. Mais en fait, à la fin, on comprend que cette famille, eh ben, elle n'a rien à voir avec tout ça, en fait. Si elle est démoniaque de cette façon, c'est pas à cause de d'eux, en fait, c'est à cause de d'Evelyne. Et oui. Et donc, attention au spoil, hein, vraiment. Donc, on voit cette petite vieille qui est toujours là. Parfois, quand on visite certaines pièces, on la retrouve. Elle est juste là. Oh, Evelyne! En fait, c'est elle, en fait. C'est en fait, le personnage le plus négligeable du jeu était, en fait, le personnage central du jeu. Tout simplement. Ça aussi, c'était assez malin de le faire, hein, de la part de Capcom. Cette vieille dame. Mais franchement, moi, j'avais senti qu'elle avait quelque chose, hein, cette vieille. Elle est assez flippante, surtout, on la retrouvait parfois dans des endroits où il ne fallait pas y être. À savoir un endroit où il y avait des monstres de moisissures. C'était assez glauque et assez sombre. Mais on l'a retrouvée quand même. Et donc il s'est avéré que c'est elle qui contrôlait tout ça par son esprit, par la force de son esprit. Voilà. Donc Evelyne, en fait, c'est une petite fille qui a eu des expériences. Et malheureusement, elle a été, comment on dit? Une créature qui a échappé au pouvoir de son créateur, tout simplement. Voilà. Donc, bah écoutez, maintenant que les présentations sont faites, donc la famille, vous l'avez vu au complet, maintenant je vais essayer de vous montrer un autre passage du jeu. Allez, un autre passage assez drôle dans Resident Evil 7. C'est, enfin, drôle, c'est pas drôle, évidemment, mais voilà, mais. le flic, malheureusement, qui va finir en chair à pâté, et par la plus glauque des manières de la part du père Baker. Donc on va voir ça. Donc il y a eu une discussion avec Ethan, évidemment. Il va nous filer son couteau. C'est vraiment fait à l'américaine, quoi. C'est assez hallucinant, quoi. D'ailleurs, je pense que je viens de voir que Netflix venait de sortir une série sur Resident Evil avec des images de synthèse, je crois, avec Léon S. Kennedy comme personnage principal. Je ne sais pas s'il y a Chris aussi, mais voilà. À voir. Moi, j'ai cru en fait qu'ils allaient faire une série sur évidemment le thème de Resident Evil 7, mais apparemment non. Allez, là maintenant, on va prendre le couteau et on va rejoindre le shérif dans le garage. Et c'est là en fait qu'on va
Est-ce que faire je vais notre faire premier tout? combat de boss, on va dire. Premier combat de boss, oui. Donc on va donc le couteau va nous permettre évidemment de faire péter les petits les boîtes en bois pour récupérer ce qu'il y a dedans et aussi nous permettre d'interagir avec tout ce qu'il y a qui contient du scotch. Voilà. Chose déjà présente dans Resident Evil 2 Remake. Alors, ce qui est bien dans ce Resident Evil 7, c'est que le couteau ne s'use pas comme dans Resident Evil 4. On doit vite se tirer d'ici là-bas. Et Vous allez me dire regardez. ce que vous faites Alors, pendant que évidemment, vous je pense surveillez que la nuit. pas mal de gens Moi, ont vu cette voleur, séquence. moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de Attention, répondre à mes ça va questions. être Vous allez glauque. jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Attendez. Mais quand même, il y a pas mal de détails dans les visages. Hein. Et voilà. Et là, on arrive en fait au premier défaut de Resident Evil 7. Les combats de boss, c'est n'importe quoi. Voilà. Il y a parfois même des bugs qui peuvent se produire en fait. L'intelligence artificielle, on va dire que c'est pas non plus quelque chose d'assez hallucinant dans Resident Evil 7. C'est pas le fort en fait, hein. Mais voilà. Donc le jeu propose en fait trois niveaux de difficulté. Vous pourrez jouer en normal, en facile ou en difficile. Je vous déconseille fortement le difficile parce que c'est assez abusé. Deux coups et vous mourrez. Et franchement, il faut énormément de balles. Et voilà. Je vous conseille de jouer en normal. Mais avant, je vous conseille de jouer en facile. Voilà. Jouer en facile, ensuite jouer en normal. Là, je viens de faire une grossière erreur. Donc vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi. Vous voyez, je viens de grimper dans la voiture, ensuite je suis sorti. Le père Baker, il est assez robotique, on va dire. Il a des mouvements d'un robot, il est assez bizarre. Donc voilà, il y a une petite musique d'ambiance pour vous faire angoisser un petit peu. Voilà, donc il faut bien hein, pour vous faire un petit peu flipper, vous faire mettre un petit peu la pression. Et surtout quand il faut courir en fait et que vous l'entendez venir de derrière vous. Alors regardez, le père Baker, à un certain moment, c'est lui qui va prendre la voiture. Alors vous pourrez m'expliquer comment. Moi j'ai pas compris. Et ça aussi c'est incompréhensible, normalement je devrais être mort, mais bon. Donc ce que je comprends pas en fait, c'est que je viens de récupérer les clés de la voiture. Donc comment lui, il peut conduire la voiture alors que moi j'ai les clés? Alors, est-ce qu'il a les doubles de clés? Peut-être. Regardez. Donc, si vous ne faites pas ça rapidement, en fait, c'est lui qui va grimper sur la voiture et il va essayer de vous tuer. Regardez ce que je vais lui faire. Je vais le finir à coups de couteau quand il est dans la bagnole. Et encore une fois, il peut se produire pas mal de bugs dans cette séquence. Regardez ce qu'il fait. Regardez, je suis en train de le finir à coups de couteau quand il est dans la bagnole. À un certain moment, il faudra s'éloigner parce que la bagnole va cramer. Voilà. Maintenant, il est fini, elle va brûler, lui aussi. Mais il n'est pas mort, hein. Alors, il faut savoir un truc, c'est que le père Baker a un don, ce don donné par Evelyn, c'est le fait de ne pas mourir. Il ne meurt jamais en fait, hein. Il ne meurt pas du tout. Et on la croisera à plusieurs fois dans le jeu. Dans plusieurs formes en fait. Voilà. Donc tout ça a explosé. Et là je pense qu'il va plus se relever, hein. Je pense. Donc c'est le premier combat d'une longue série, hein. Je crois même qu'on le croisera deux fois encore dans le jeu. D'ailleurs, si je peux, je pourrais vous le montrer dans cette vidéo. Voilà. Donc là, on peut sortir de cette arène. Ah, il n'est pas mort, voilà. Regarde-moi bien, justement. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Mais cette fois-ci, c'est lui qui va s'auto-suicider, voilà. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait qu'il peut pas mourir, hein. Donc c'est pour ça qu'il a fait ça. Alors le temps qu'il se régénère, nous, on peut prendre nos jambes et s'enfuir, voilà.
Très important, franchement, il faut vraiment bien fouiller les endroits. Tous les endroits, les étagères, tout, franchement. Parce que vous pourrez passer à côté de certains objets qui seront très utiles à la fin du jeu. Voilà. Donc je voulais vous montrer la famille, je voulais vous montrer aussi le père Baker. Maintenant, je pense que je vais couper et vous montrer une autre séquence de jeu. Allez, je vais vous montrer une autre séquence de jeu. Je reviens un petit peu plus tard. Ah oui. Allez, on va prendre cet objet. Ensuite, on coupera. Vous voyez, il y a aussi cette mécanique hein, de faire pivoter les objets pour enclencher un truc. Bon, on va couper et je reviens juste après. Re les petits amis. Alors, on est un petit peu plus loin dans l'aventure. Il y a certains trucs qui sont assez sympas dans ce jeu, comme par exemple les cassettes VHS. Alors les cassettes VHS, franchement, c'est très utile. Donc il faut vraiment les trouver pour les visionner et ainsi comprendre en fait certaines choses un petit peu plus tard dans le jeu. Je m'explique. Par exemple, il y a le passage avec Mia, qu'on va voir maintenant. Parce que je viens de récupérer la cassette de Mia. On peut visionner cette cassette pour quand on s'introduira dans la vieille maison, là où il y a Margaret, en fait, le deuxième boss. Ça va nous être utile pour voir, pour comprendre en fait où doit-on aller et comment débloquer un certain passage. J'espère que je suis clair. Donc les cassettes VHS, c'est vraiment très très simple. Il faut les introduire dans le lecteur de cassettes VHS, justement. Et les visionner, c'est vraiment très original comme idée. Franchement, ça j'ai vraiment bien aimé. C'est même l'un des points forts du jeu, moi je trouve. Il n'y en a pas beaucoup hein, des cassettes. Je crois qu'il y en a 4. Je crois, si je me trompe pas. Oui, je crois qu'il y en a 4. La première, c'est celle des reporters, en fait, les journalistes qui se sont introduits dans la maison des Baker. La deuxième est celle de Mia. La troisième, celle de Lucas. Qui a pris une victime et qui a joué avec elle un jeu assez dangereux. Et dans le cas là, on va se retrouver comme acteur principal. Excusez-moi. Et donc ces cassettes VHS vous permettent en fait de comprendre comment s'en sortir de ces situations qui peuvent paraître à premier abord assez complexes. Mais qui sont en fin de compte une. Les cassettes, en fait, c'est une manière d'avoir un petit peu de l'avance sur vos adversaires. Et évidemment, vous faire sortir de cette situation assez difficile. Alors, Margaret, la phase avec Margaret, c'est franchement assez flippant. Parce qu'elle fait assez flipper cette vieille. Regardez, elle peut vous surprendre. Ça fait vraiment flipper la première fois. Et en plus, sa voix, elle est assez drôle. Voilà, vous avez échoué. Parfait, c'est pas grave. Donc, vous devrez recommencer à chaque fois pour arriver à la fin de la cassette. Voilà. Bon, une cassette VHS, c'est pas interactif. Mais en fait, l'idée de jouer en fait une séquence d'une cassette VHS, ça, je trouve vraiment assez original. Et donc, cela va vous permettre aussi de trouver certains objets cachés quand vous reviendrez en tant que Ethan. Eh bien, vous aurez une avance sur vos adversaires. Voilà. Je voulais juste vous montrer la cassette VHS. Une phase, en fait, de la cassette VHS. Je pense que je vais vous montrer aussi la cassette VHS de Lucas, qui est assez drôle aussi. Dans laquelle j'ai assez galéré aussi. Hein. Voilà, parce qu'il y a énormément d'énigmes. Donc, je pense que je vais vous montrer le combat contre Marguerite, qui va totalement se métamorphoser, la bougresse. Elle va devenir une sorte de créature un petit peu avec une démarche, avec on dirait une araignée en fait. Ah, elle fait flipper quand même, hein. Vraiment, elle fait flipper. Bon, je vais essayer de vous montrer en fait la phase de combat contre Margaret. Avant de vous montrer en fait le combat contre Margaret, je voulais vous montrer aussi les sous-sols en fait. Qui sont juste abominables. C'est vraiment une ambiance très très glauque. Et là, regardez, on voit de la moisissure partout sur les murs. Et là, on croise les créatures de moisissure. Je ne sais pas comment ils s'appellent d'ailleurs ces créatures-là.
qui ressemble un petit peu à Venom, je trouve, mais en plus mou, en plus mou et en plus moche, voilà. Donc très important, bien viser la tête pour en finir avec eux, pour leur faire exploser la tête. Alors généralement 2-3 balles et on n'en parle plus. Par contre, ils sont beaucoup plus coriaces en mode normal et en mode difficile. Alors là, je peux vous dire que votre chargeur va morfler. Il faudra vraiment, vraiment bien, bien viser la tête, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. Il y a certaines énigmes aussi à faire, comme par exemple celle-ci, pour débloquer, je crois, un truc. Par contre, je me rappelle plus de ce que c'est. Alors, il faudra, je pense, ouvrir. Non, c'est pas ça. Non, je me rappelle plus en fait. Zut, je crois qu'il y a un indice quelque part pour nous dire comment déverrouiller en fait ce compartiment et qui contient un objet assez important, je crois. Alors, chaque compartiment contient un nom, le nom d'une personne. Tania. Par contre, je me rappelle plus. Mince. Mince, mince, mince. Bon. Bon, je vais essayer de trouver. Hein. Je vais essayer de trouver. Alors, l'indice, le voilà. 3 et A, une empreinte de main. Voilà. Je pense que il faudra ouvrir en fait le compartiment avec la main ensanglantée. Et 3, ça veut dire quoi 3? 3A et une empreinte de main. Fais ce que tu veux de la fille. Ça, c'est Lucas, ça. J'ai attrapé le type qui ne. Bon, bah, on va essayer. On va essayer de faire ça. Peut-être qu'il faudra fermer en fait tous les compartiments et laisser ouvert que celui avec la main. Oh putain, je sais plus, hein. Je sais plus. Ah zut, je voulais pas de ce genre de séquence dans la vidéo critique. Allez, on va fermer ça. On va fermer ça. On a celui de la main ensanglantée ouvert. Et je pense que on devra ouvrir un autre. Je crois que c'est le troisième à partir de la gauche ou de la droite. Non. 3A. 3A. Peut-être que c'est le troisième à partir de la main ensanglantée. Je sais plus. Franchement, je m'en souviens plus, hein, malheureusement. Alors je m'excuse, hein. Ça vient plomber un petit peu l'ambiance de la vidéo critique. Alors, on va regarder de plus près. Tu te souviens comment ouvrir la porte, n'est-ce pas? Retiens juste ça. 3A et une empreinte de main. 3A. 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 Une empreinte de main. Bah, je pense qu'il faut. Bah, ça, il faut l'ouvrir, ça c'est sûr. 3A. Peut-être ça. Ah oui, voilà. Le troisième compartiment à partir de la main rouge. Voilà. Et là, il va sortir un monstre, évidemment. Voilà. Venom avec une main plutôt bizarre. On dirait une arme de Soul Calibur. Voilà. Ah, il se protège, hein. Des fois, il se protège les méchants. Et celui-là, il est assez coriace, hein. Vous avez vu. Alors, très important aussi, il faut se protéger. Oui, j'en ai pas parlé dans les combats comme ça. Il faut vraiment se protéger pour minimiser les dégâts. Voilà. Et là, on n'en parle plus. Très bien. Et là, on va récupérer. Voilà, la clé de la salle de dissection. Exactement. Exactement ça.
Bon, on va avancer un tout petit peu dans le jeu. Et je vous reprends tout de suite. Allez, avant de vous montrer Margaret, je pense que je vais vous montrer aussi le combat, le second combat contre le père Baker. Et celui-ci, il est assez particulier puisqu'on va utiliser une tronçonneuse. Pas dès le début du combat. Hein. Mais voilà, mais c'est toujours encore un combat assez bizarre au niveau du maniement et au niveau des mouvements en fait du père Baker. C'est assez bizarre, c'est assez étrange, on va dire. Donc vous pourrez vous en servir des sacs qui contiennent des cadavres pour pousser en fait le père Baker, comme ça, et de lui mettre deux, trois petits coups de couteau. Ou alors si vous avez un flingue, évidemment, c'est beaucoup plus efficace. À un certain moment, le père Baker va s'affaiblir. Et il y a une espèce de matière qui va ressurgir en fait de lui. Et c'est à ce moment-là en fait que vous pourrez évidemment le taper avec le tronçonner quoi, avec la tronçonneuse. Ça va lui faire énormément de dégâts. Et c'est à ce combat précisément que on se dit, tiens, on en a fini avec lui, le père Baker, mais non, en fait, même à la fin du jeu, il va ressurgir. Alors, je ne sais pas si c'est le père Baker qu'on combat vers la fin, quand on retrouve Mia et Zoé, ou c'est Lucas. Mais je pense que c'est Baker, hein. Je pense que c'est Baker, si je ne me trompe pas. Regardez, la petite matière qui sort de lui. Il faudra profiter de cette occasion pour le canarder à ce moment-là. En fait, c'est cette matière-là qui le rend si puissant. Et là, donc c'est dans sa deuxième phase en fait qu'on peut le finir en prenant la tronçonneuse. Alors lui aussi, il va prendre une espèce de tronçonneuse couteau à double tranchant. Et à un certain moment, il court en fait pour vous couper la tête en fait. Et il faudra l'éviter. Alors par contre, je ne sais pas si ça vous one shot en fait. Alors ça, ce coup-là, en fait, il vous inflige des dégâts. Ça, c'est sûr. Autant vous dire tout de suite, en normal, ce combat, il est infernal. Vraiment infernal. Là, il va continuer à frapper normalement. Et dès que, en fait, on le frappe 2-3 fois. Alors le combat avec la tronçonneuse aussi il est assez bizarre, hein, vraiment. Et c'est la première fois et la dernière fois qu'on manipulera une tronçonneuse, malheureusement. Bon, j'aurais aimé vraiment la manipuler encore une fois. Ça aurait été vraiment génial. Mais malheureusement, que voulez-vous? Allez, encore, il va nous frapper encore une fois. Alors par moments les sacs de cadavres disparaissent. Vous voyez, à un moment donné, le jeu nous rappelle qu'il faut appuyer sur la touche garde pour ne pas subir des dégâts. Voilà. Ouf! Donc encore une fois, pousser les sacs pour le déstabiliser et lui le frapper comme ça. Alors vous n'en finissez pas avec lui quand vous faites ça. Là, regardez. Alors, appuyez sur LT et RT. Le problème, c'est qu'il se met rapidement debout. Alors, la prochaine fois, je devrais appuyer sur les deux touches en même temps, LT et RT, pour lui infliger plus de dégâts, en fait. Voilà. Allez. Encore. Vous voyez, c'est un petit peu mou. On comprend pas. On comprend pas les réactions du boss en fait. C'est bizarre. À un moment donné, il nous regarde tout ça. Il a le regard vide. Alors ces petites cinématiques là, c'est des scripts en fait. Hein. Là, il faudra faire. Vous voyez, il se met très rapidement debout. Alors, on n'a pas le temps en fait de le finir. Hein. Alors, est-ce qu'il peut détruire le pilier qui est juste au milieu de la pièce? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il peut détruire les sacs de cadavres. Ça, c'est une certitude. Alors, parfois, on a vraiment des bugs assez hallucinants et assez drôles.
de ce combat. C'est comme le, c'est pareil en fait que le combat contre lui dans le garage. Regardez, et là il commence à courir pour nous couper la tête. Franchement, si c'était vrai, ce genre de combat. Alors il faut faire très attention, hein. Il y a une jauge à respecter pour la tronçonneuse. Elle peut tomber en panne. Faut surveiller ça de près. Et pour savoir en fait où on en est à propos de la jauge de vie de Ethan, il suffit simplement d'appuyer sur la touche triangle ou alors d'appuyer sur. Regardez cette créature. Il y a même des dents. Ah oui, il détruit le pilier. Oh! Ah bah ça je le savais pas, hein, vraiment. Il détruit en fait le pilier qui est juste au milieu de la pièce. Donc soit on regarde notre montre qui est dans notre bras gauche, soit il y a un indice visuel en fait, qui est l'écran qui est tacheté de sang. Ça veut dire que notre santé va mal. Allez, je devrais en finir là. Oh, et zut! Et la tronçonneuse qui tombe en panne au moment où je devrais en finir avec lui. Donc voilà, j'ai vraiment pas le choix, hein. Je lui tourne autour comme ça. C'est assez drôle. À un moment donné, c'est assez drôle, franchement. C'est complètement incompréhensible. Voilà. Bon, allez. Normalement, là, la matière va sur. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, ben, c'est pas grave. Allez, ça, c'est une cinématique scriptée. Voilà. Et c'est là, en fait, qu'on devrait le finir. C'est assez glauque, hein. C'est vraiment très glauque. Et là, il explose. Et regardez le petit détail qui est drôle. C'est qu'il se met quand même debout. Pendant quelques secondes. Et ensuite, il s'effondre. Voilà, il y a quand même de l'humour dans Resident Evil. Bon. Et voilà, donc et là, on en finit avec le père Baker, voilà. Malheureusement, la tronçonneuse, on va s'en servir juste pour casser cette serrure. Vous voyez, dès qu'il y a un objet dans lequel on doit interagir, en fait, il y a du jaune. Comme les scotch, les boîtes en bois et tout et tout. Voilà. Il n'y a pas énormément d'interactions dans Resident Evil, hein, vraiment. Que ce soit dans le 7 ou encore dans le 8, qui est assez honteux quand même, hein. De voir un jeu de cette génération, PS5 quand même, où on peut pas interagir avec les décors, c'est franchement assez assez honteux, vraiment. Bon, ah bah du coup, on en a fini avec le père Baker, je pense que là, je vais zapper vers la mère Margaret, ou Marguerite, Marguerite en français, Margaret en anglais. On va voir ça tout de suite, je pense. Donc je vais juste faire une pause, et je vous reprends juste après. Allez, donc là, je vais directement y aller dans la vieille maison. Non, c'est pas la vieille maison, ça. C'est derrière la caravane, en fait. Voilà. C'est là, en fait, qu'on va combattre Margaret. En fait, Margaret, on a eu une petite confrontation avec elle. Et donc, elle a emprunté une sorte de tunnel, en fait, qui la conduise ici. Et donc, nous, on va essayer de la combattre dans cet endroit. Et vous allez voir qu'elle s'est transformée, la petite Marguerite. Donc là, je devrais descendre ici pour commencer le combat. Et je pense qu'on va la croiser dans les escaliers. Alors vous allez voir le truc là, c'est assez abominable. Ça aussi, hein, le combat, en fait tous les combats, hein, tous les combats de boss sont assez difficiles. Quand vous jouez en normal ou en difficile évidemment, ça c'est sûr. c'est logique aussi. Donc moi je préfère franchement jouer à ce genre de jeu en facile pour être voilà, plus à l'aise, plus décontracté. Déjà que le jeu il est assez sombre et oppressant. Et franchement j'ai pas besoin d'une difficulté hallucinante pour apprécier ce jeu. Donc vraiment je peux l'apprécier même en facile. Et je suis même tranquille, voilà. Regardez, un petit jumpscare évidemment. Et regardez, ses bras se sont allongés. Il est devenu assez une créature assez bizarre.
Et la première fois que j'ai vu ça, c'était vraiment assez flippant quand même. C'est vraiment assez flippant, flip. Il y a eu un bug au passage, vous avez vu la flamme qui est restée en train de flotter comme ça. Alors, ces araignées-là, faut faire très attention. Faut les brûler avant d'ouvrir le compartiment, l'armoire. Alors, le combustible, oui, j'ai oublié de vous en parler aussi par rapport aux armes tout à l'heure. Le combustible aussi, on peut le débloquer en le réparant et en fabriquant évidemment des combustibles tout simplement. Alors pour ça évidemment il faut fabriquer ça en combinant deux objets en même temps. Donc la combinaison des objets existe toujours évidemment, hein, c'est même la marque de fabrique de Resident Evil. Regardez, elle peut surgir de nulle part en fait, hein. Elle peut surgir des toits, elle peut surgir des cheminées condamnées. Donc voilà, c'est assez flippant. Moi, je vous conseille fortement de la combattre dans le jardin, parce que vous avez une visibilité plus, on va dire plus, vous avez plus de visibilité, voilà. Et donc, son point faible, en fait, c'est ce qui se trouve dans son ventre. Oh là là, quelle créature! Et là, regardez, un bug. Normalement, elle devrait chuter là, mais en fait, elle a disparu. Les bugs, ça existe, hein, vraiment, dans Resident Evil 7, il y en a pas mal, hein, des bugs. Surtout dans les combats de boss. Je sais pas pourquoi. Ça a vraiment été mal conçu, les combats de boss. Mais bon, regardez, elle vient de l'autre côté. Donc ici, dans le jardin, ce qui est bien, c'est qu'on a plus de visibilité. Moi, je trouve qu'on a beaucoup plus de visibilité. On a beaucoup plus de liberté de mouvement. Voilà, il faut éviter ces frappes, hein, parce que là, elle a des bras de basketteur, la petite. Donc elle fait flipper avec ses mouvements, hein, vous avez vu. Donc il faut viser cette matière qu'elle a dans le ventre. Et là, elle va gigoter, il faut l'éviter, hein, chose que je n'ai pas fait là. Et là, je devrais recharger mon fusil à pompe. Ah, il faut la poursuivre, hein. Vraiment, il faut pas lui laisser un temps de répit, il faut pas la laisser... Ah là, elle vient de sauter de l'autre côté, donc je pourrais pas l'atteindre. Vous avez vu? Donc elle peut sortir, elle, de l'arène du combat, alors que nous, on reste ici. Donc je pense qu'elle va nous faire appliquer les moustiques, là, qui sont juste un cauchemar, tout simplement. C'est vraiment un cauchemar, les moustiques ici. Ah, c'est des moustiques de Tchernobyl, hein. C'est vraiment la taille d'une basket, quoi. Voilà. C'est des créatures qui vraiment peuvent vous faire mal. Alors, il faut les finir avec le couteau. Mais ce qui n'est pas bien, en fait, c'est que c'est pas précis, en fait, hein. C'est vraiment pas précis et on a du mal, en fait, à deviner la perspective. On a du mal, en fait, à deviner la distance entre nous et le moustique et cet insecte. Et chose que j'ai pas apprécié du tout, en fait. Et voilà. Et pour le faire, vous pourrez très, très simplement les brûler, tout simplement. Hein. Vite fait, bien fait. Comme ça. Vous n'aurez pas du mal. Alors c'est pas tout, il faut vraiment finir avec cette créature du diable. La petite Margarita. Voilà, faut se protéger, hein. Se protéger, ça réduit à deux moitiés les dégâts de la frappe de votre ennemi. Allez, encore, encore, encore. Le fusil à pompe, vraiment, il fait le taf, hein. Il fait vraiment le taf. Ah, elle n'est pas morte, hein, je crois. Non, elle n'est pas encore morte. Je vais la poursuivre. Je vais pas lui donner le plaisir de nous faire flipper. Et de nous mettre la pression. Alors, il y a des objets partout, hein. Alors, évidemment, qui dit Resident Evil dit des va-et-vient. On reviendra évidemment ici pour prendre les objets. Ensuite, on reviendra vers la salle de repos. Pour déposer les objets dans le coffre, ensuite il faudra revenir parce que j'ai un inventaire juste restreint quoi. On peut vraiment pas stocker tout, hein. Alors je pense que c'est l'un des inconvénients du mode facile, c'est qu'on peut pas avoir un inventaire de folie. Par contre, je pense qu'en mode facile, difficile ou normal, je pense qu'on a un inventaire bien plus respectable. Alors, je dis peut-être des bêtises. Ah, elle est finie, elle est finie. Voilà. Et quand un boss en fait est mort, il durcit et
Il devient des cailloux. Reste mort cette fois, ok? Voilà. Chose qu'on n'a pas aperçue avec le père Baker. On l'a peut-être fait exploser, mais il n'a pas durci. Et donc c'est pour ça qu'il va revenir tout à l'heure. Voilà. Là, j'étais obligé de virer un combustible pour prendre la lanterne, qui est un objet clé, qui va nous permettre de débloquer un autre passage un petit peu plus loin. Voilà. Bon, je suis assez content parce que je vous ai montré pas mal de choses dans cette vidéo critique. Je pense que je vais vous montrer aussi la phase avec Lucas. Alors, la vidéo va être un petit peu longue, hein, ça c'est sûr. Enfin, j'en suis même quasiment sûr. Puis voilà, donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Allez, on se quitte et on reprend avec la phase avec Lucas. Allez, re les petits amis, je pense que je vais vous montrer juste cette phase et ensuite on s'arrêtera là. Et je pense aussi que je vais vous montrer le dernier combat avec le père Baker. Comme ça, vraiment, vous aurez presque tout vu. Je vais pas vous montrer la phase avec la phase dans le bateau avec Evelyn et tout. Je pense que ça en fera trop là. Hein. Vraiment, je vais vraiment juste essayer de vous montrer ça et ensuite on s'arrêtera là. Bon, alors, donc on voit cette séquence dans une cassette VHS. Et donc c'est comme ça que je peux deviner en fait le mot de passe ici, le mot de passe de l'autre côté dans une autre chambre. Donc il y a une série de choses à faire pour comprendre et déduire en fait comment faire dans cette phase. Voilà, tout simplement. Alors, il ne faudra pas ouvrir, prendre une clé qui se trouve dans un baril. Sinon, si on prend la clé en fait, ça va laisser dégouliner un liquide qui va s'avérer être de l'essence après. Et donc, qui dit essence, eh ben, dit évidemment, tout va brûler. Et c'est comme ça qu'on peut finir. Et autant vous dire tout de suite que je suis perdu plusieurs fois ici. J'ai perdu. Alors, regardez, on va brûler ça, la corde ici, grâce à la bougie. On retrouve évidemment les ballons qu'on peut exploser avec notre bougie. Ici, on peut mettre le mot de passe qui est « loser ». Donc ce mot de passe, comment je le sais? Eh bien c'est tout simplement, j'ai visionné la cassette VHS de la victime, de la première victime qui est passée juste avant moi, et qu'on va croiser d'ailleurs, hein. On va croiser tout à l'heure dans une chaise, malheureusement il a été cramé le pauvre gars. Et donc il y a une poupée en fait qui lui écrit dans son bras, loser, donc c'est comme ça qu'on déduit en fait le mot de passe. Là voilà la petite poupée clown. C'est une poupée clown qui fait assez flipper. Là je pourrais récupérer évidemment. Alors je vais vous montrer hein, pour ne pas non plus. Pour être plus clair dans mes propos. Alors ça c'est un petit voilà, télescope. Qui va nous permettre en fait de voir sur les écrans de l'autre côté, vous voyez ? Sur les écrans de surveillance, le mot de passe pour ouvrir le boîtier de tout à l'heure, le premier. Voilà, on peut passer sous cette porte pour nettoyer le télescope. Ici, je dois mettre la vanne pour fermer l'eau. Et en fait, c'est un piège hein, quand vous ouvrez le baril de l'essence. C'est un piège parce que si vous le faites, eh bien après, vous ne pourrez plus ouvrir la vanne d'eau. Et donc, vous ne pourrez plus éteindre le feu. Donc, c'est comme ça qu'on crame, en fait, et qu'on devra recommencer depuis le début. Donc, regardez. Je vais encore une fois brûler la bougie. Là, tout s'éteint, en fait. Toutes les lumières s'éteignent. Et là, Lucas croit que bah, j'ai ouvert le baril, donc tout va exploser, et je vais cramer comme la première victime. Eh bien, non. Parce qu'on a déjà anticipé ces actions-là quand on a visionné la cassette VHS. Vous comprenez maintenant pourquoi elles sont importantes ces cassettes VHS. Et là regardez, Lucas nous envoie une dynamite pour tout faire exploser en fait. Ah non. Oui, vite, vite, vite. Faut la lancer ici en fait. Parce qu'il se situe juste à côté de ce mur, Lucas. Et là tout se passe pas comme prévu pour lui. Et donc il va s'enrager. Il va devenir fou. Fou de rage. Voilà. Donc nous, on a réussi le test. C'était censé être pour toi, putain de merde. Voilà. Et là, on pourra sortir de l'autre côté et retrouver Zoé et Mia. Voilà, Mia. Enfin, je me rappelle plus de son prénom, dis donc. Voilà, voilà.
Allez, donc je pense qu'il nous reste plus que le combat de boss. Ah oui, ça c'est le dernier composant du vaccin en fait, pour produire en fait un antidote. Donc la tête de série D et on a récupéré le bras. Ah, je vous ai pas montré la séquence où on s'introduit en fait dans une sorte de chambre d'enfant où on découvre le cadavre d'une petite fille dans laquelle on retrouve en fait le bras de série D, qui est l'un des composants du vaccin. Enfin bref, voilà, c'est Tu sais ce que tu veux? un petit peu compliqué en vous en parlant. Et voilà. Quelle chance. Écoute, à moins que t'aies d'autres Et secrets, donc c'est le moment pour moi de savoir si on va combattre c'est toi qui Baker fais le ou contact. Lucas. Et je déteste les spoilers. Voilà. Donc il est pas content, hein, Lucas. Bref, je vais juste m'avancer un petit peu et je pense que je vais vous montrer le combat contre le père Baker le dernier. Et comme ça, on aura fini en beauté. Allez. Je les ai. Ça suffira, non? Si on les fabrique assez vite, le père et Lucas ne sont pas loin. Ils Donc leur voilà parleront. Zoé, c'est la première fois qu'on la rencontre pour de vrai en Viens, fait, hein. il y en a assez pour deux. Et là, elle va fabriquer l'antidote. Elle va en sortir deux antidotes en fait, deux vaccins. Et le premier, on va l'utiliser sur le père Baker, Excellent, ensuite. parce que Viens, on va malheureusement, tout lui, il ne démonter. meurt que On traversera par le cet mariage. antidote. On peut pas Mais le tuer en aucun fait. de nous n'ira loin sans le sérum. Et l'autre, bah, ça sera en fait un, ça sera le dernier en fait. Et on va Il y en le a un donner pour à moi. l'une des filles en fait. Et c'est comme ça qu'en fait vous pourrez voir les deux fins de Resident Evil 7. Soit vous choisissez Mia, soit vous choisissez Zoé. Regardez ce qui est devenu ce pauvre. Alors c'est pas Lucas, hein, on va voir. Ah oui, c'est le père Baker, c'est le père Baker. Donc voilà, je me suis pas trompé, je croyais que c'était Lucas, j'avais un doute. Alors pour le battre, il faut simplement détruire les yeux. Tous les yeux qui sont sur son corps, il faut bien viser, hein. Voilà, Jack. Jack Baker. Voilà. Bien visé. Bon, il est en mouvement, mais ça va. Normalement, vous devrez en venir à bout facilement. Ça me rappelle la créature dans Resident Evil 2. Bien. Alors, normalement. Je vais pas descendre, hein. Je vais juste rester en haut. À un moment donné, il va faire effondrer tout, hein. Donc on devra descendre coûte que coûte. C'est scripté, voilà. Visez bien les yeux et normalement, tout se passera bien. Voilà. Et là, tout prend feu. C'est presque fini. Normalement, je devrais. Alors, il y a certains objets, si je les récupère pas, je pourrais pas monter les récupérer. Donc, ça sera trop tard. Va au diable. Il s'est pas vu, l'autre. C'est vraiment une créature du diable lui-même. Allez, je pense qu'il y a un œil ici. Voilà. Il reste encore un œil, mais il est où? Ah bah ouais, hein, il faut que je bouge, hein, sinon tu vas m'avoir. Il y en a une peut-être. Ah, sous la queue. Ah, je crois qu'il est mort. Ah non, 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 c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, les amis. Oui. Oh la vache. Il est en colère. Voilà. Il va nous surprendre. Et là, je crois que c'est la phase finale du combat. Parfait. Alors ça, cette créature en mode difficile. Je vous tire mon chapeau, vraiment. Je suis pas un hardcore gamer en fait, hein. Je suis juste un gamer qui aime bien prendre du plaisir en jouant à des jeux vidéo. J'aime pas me stresser trop en fait, hein, quand je joue à un jeu.
Mais c'est pas fini encore, les amis. C'est pas encore fini. En fait, là, je pense qu'on va lui injecter le sérum, je crois. Hein. Oui, voilà, c'était ça. Donc c'est pas une phase de combat, hein. Au final, c'est juste du script. Et là, c'en est fini. Et écoutez bien ce qu'il dit, ça fait du bien. Alors lui-même, il voulait vraiment en finir avec sa vie. Il n'en pouvait plus d'être invincible. Voilà. Et voilà. Et c'est là, en fait, c'est l'indicateur qui nous dit que bah il est fini, il est mort, quoi. On n'en parle plus. Voilà. Et c'est là en fait qu'on va s'avancer et on devra choisir entre Zoé et Mia. C'est là en fait que vous allez déduire la fin du jeu. Voilà. Tout simplement. Là, je peux péter cette caisse. Ah oui, on peut la péter. On peut la faire péter. Bien, 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 bien. Bon, je pense que les amis, on va s'arrêter là. Hein. Ça fait 1h05. Donc franchement, Resident Evil 7. Bon, là, je vous ai pas parlé des DLC qui sont franchement pas terribles, hein, vraiment. Il y en a un avec Chris, c'est un petit peu bourrin. Il y en a un avec le père, comment on dit? Je crois qu'il y en a un autre consacré à Zoé. Et franchement, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Hein. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo en fait sur les deux DLC. Il y en a trois, je crois. Il y en a même un autre sur celui de Lucas, je crois. Hein. Dis-moi que On c'est se ton fait frère. torturer, je crois, en jouant Qu'est-ce à un qu'on jeu. va Bon, faire maintenant? bref, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, je sais pas si je vais vous faire des vidéos critiques sur les DLC, en fait. Je verrai ça le moment venu. Voilà, donc si, en fait, on doit choisir entre Mia ou Zoé. Moi, j'ai choisi Mia. Je crois que je vais choisir Mia. Ou Zoé. Ah, me fait pitié quand même, Zoé. Mais je suis désolé. C'était idiot de penser que je pourrais m'échapper. Mais Voilà. Zoé, Donc vous pourrez arrêtez! choisir évidemment Partez tous vous-même. les deux! Viens avec Par moi. contre, je me rappelle plus Je suis sûre qu'est-ce que qui se quelqu'un passe peut t'aider. quand on C'est chez choisit moi. Zoé. Je sais pas. Apparemment, ma place est Je ici. sais plus. Enfin bref. Donc voilà, Resident Evil 7, franchement, un très très bon, enfin T'aurais de l'aide. un bon jeu, Pas la vraiment un peine! bon jeu. Moi, je trouve Il qu'il n'y est aura plus beaucoup mieux personne que à Resident Evil secourir! 8. Encore une fois, j'ai pas encore joué à Resident Evil 8. Mais du peu que j'ai vu. Alors, les débuts en fait de Resident Evil 8 m'ont bien accroché. Par contre, après, j'ai lâché. J'ai lâché. Ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Alors, attention au spoil, hein, mais franchement, il y a un combat contre un des boss. C'est vraiment Transformers le truc. C'est un robot géant. Pff. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce délire de Capcom là? Au secours, quoi. Franchement, c'est tout sauf un Resident Evil, quoi, le truc. Vraiment, hein, vraiment, je trouve ça abusé. Ils ont essayé d'intégrer pas mal de choses dans Resident Evil 8. Ils ont essayé de faire un truc énorme comme ils ont fait à l'époque dans Resident Evil 4, à savoir varier les choses, varier le gameplay, varier les trucs, en fait. Mais moi, j'arrive pas à accrocher. Je suis désolé, C'est ce que hein, tu je penses. suis désolé de dire ça. Mais il Il y a faut qu'on peut-être parle. quelques-uns qui vont être déçus de mes propos, Tu as quelque chose à dire? mais je m'en Dis-le. fous parce que je dis ce que je pense. Bon, Resident Evil 7, dis-le moi je trouve juste qu'il pas est à beaucoup plus Mickey. réussi, même si ça reste Dis-le, évidemment je te un jure que je ne me nanar, souviens pas. un Resident Evil quoi. Si. Voilà, mais je trouve que son ambiance C'est pas tout. est beaucoup plus réussie que Pourquoi tu Resident t'es Evil 8. attardé là? Voilà. Évidemment, j'ai bien aimé la phase dans le château. Hein, des trois sœurs vampires là. Ça j'ai bien aimé, mais par contre après ça part un petit peu en vrille. Là aussi, il y a aussi la maison des Beneviento qui fait juste flipper avec une créature venue des fins fonds des enfers, de l'imagination de l'être humain, avec un bébé qui pleure bizarrement, ensuite il rit d'une manière diabolique, enfin bref. Voilà, donc je vous laisserai évidemment découvrir ça par vous-même et de comparer les deux jeux. Moi, en tout cas, j'ai pris mon compte avec Resident Evil 7. Pour ma part, franchement, Capcom a réussi le Resident Evil 7, le Resident Evil 2 Remake, ces derniers temps. J'espère qu'ils feront un remake du Resident Evil 4, comme ils ont réussi à le faire à l'époque.
Et puis voilà. Mais pour moi, c'est Resident Evil 8, c'est cramé. Cramé, non, non. Non, franchement, non. J'ai pas trop aimé. J'ai pas testé. Mais quand même, j'ai vu un petit aperçu. Et franchement, je. Enfin, c'est pas même un petit aperçu, c'est un gros aperçu. Enfin, je me suis même spoilé pour voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Mais non. Bon. Non. Bien. Bon, les amis, ça fait 1h10 quand même. Il faut s'arrêter là. Hein. Donc, on arrive au bateau d'Evelyn. Bon, vous l'aurez quand même aperçu. Dans lequel s'est passé les premiers événements déclencheurs. Alors, on voit Ethan, évidemment, qui malheureusement va se faire transporter par la moisissure. C'est Evelyn, en fait, qui va le transporter. Et voilà, donc on contrôle Mia cette fois-ci. Et Mia n'aura pas beaucoup de munitions. Et Mia va se rappeler en fait ce qui s'est passé réellement dans ce bateau. Donc là, le jeu nous emmène vers les origines de tout ça en fait. Du virus, de la moisissure et tout. Voilà. Bon, allez les amis, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, évidemment, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, on est déjà à 600 et quelques abonnés. Franchement, je suis comme un enfant, comme un petit garçon qui est tout joyeux, tout content de voir que bah, ça progresse au niveau des abonnés, ça progresse au niveau des vues. Bon, c'est vrai que je ne fais pas énormément de vues non plus, hein. Une trentaine, voire une cinquantaine de vues par vidéo. Mais bon, le plus important, c'est que je m'amuse à les faire, je m'amuse. J'adore en fait, c'est une passion. Et surtout de vous en parler aussi. Regardez quelques flashbacks de Mia. Quelques flashbacks parce qu'elle faisait partie de l'équipage de ce bateau. Tout simplement. C'est là en fait que, comme je vous disais au début de la vidéo, que tout prend son sens dans les Resident Evil. C'est qu'à la fin, en fait, on comprend tout. Tout ce qui se passe, toute l'histoire, tout ce qui se passe autour du méchant. À savoir ici Evelyn. Enfin bref, voilà. Donc voilà, merci, merci, merci infiniment à tous ceux qui me suivent, même si vous n'êtes pas nombreux, mais en tout cas, on est une petite communauté, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, évidemment, je ne suis pas beaucoup présent dans Discord et dans d'autres réseaux sociaux, mais voilà, ça m'aide franchement à partager mes contenus, mais je suis pas trop réseau social, moi, vraiment, je n'ai pas le temps. Je travaille tout le temps, donc j'ai vraiment pas le temps du tout. Vous m'excuserez pour ça, mais en tout cas, si j'ai l'occasion de répondre à vos messages, si vous en avez, eh bien, je répondrai, ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez, les amis, je vais vous dire au revoir cette fois-ci, et j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos critiques. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Salut.